morning la Terre, c'est Hermès. C'est Hermès en direct de la forêt pour vous souhaiter de passer la plus belle des journées. Ça y est, top départ. C'est le départ pour la nouvelle Terre. Départ immédiat et nous invitons toutes les belles âmes assez folles pour pouvoir rendre ce monde meilleur. Toutes les personnes assez folles pour vouloir agir et ne plus attendre à rejoindre notre synergie. Nous avons créé la troisième dimension de l'Académie de l'Éveil et nous vous invitons à partager avec nous dans la joie, dans l'amour, dans la lumière et la bienveillance. Je vous mettrai le lien de notre groupe. À toutes les âmes, tous les éveilleurs de conscience, les thérapeutes, les guérisseurs, à tous les travailleurs de lumière, nous vous invitons dans notre groupe pour partager, pour évoluer ensemble. Oui, top départ pour la nouvelle Terre, pour cette transition. Nous arrivons en octobre, 10-10-2020, un portail énergétique s'est ouvert. Je vous avais prévenu que cette année 4 serait une année de stagnation. 2020, année 4 en numérologie, année de stagnation. Effectivement, on a tous été bloqués. C'est comme si on courait dans l'eau. Mais là, ça y est, le portail s'est ouvert, de nouvelles énergies arrivent. 2021 se prépare et 2021, ça va être l'année des grands changements. Ça y est, on arrête d'attendre, on évolue, on incarne le changement que l'on veut voir dans ce monde. Et c'est pour ça que nous avons créé au sein de l'Académie de l'Éveil cette troisième dimension. Une troisième dimension accessible à tous, une troisième dimension publique, gratuite, pour tous nous réunir dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le site internet, nous rejoindre et vous ferez la connaissance de belles âmes. De belles âmes assez folles pour pouvoir vouloir changer le monde. Katou, Cathy, l'espoir fait vivre, mais aussi Sandrine, Sancha, que des personnes extraordinaires qui sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour vous aider à réaliser votre mission d'âme. Nous sommes ensemble, ensemble dans cette transition, ensemble pour cette nouvelle humanité. Le départ a commencé et quels que soient les problèmes qui t'empêchent d'évoluer, dis-toi que l'univers a toujours une solution et on est là pour t'aider à la trouver. Donc rejoins-nous. Clique sur le lien, rejoins notre groupe Facebook, notre troisième dimension de l'Académie de l'Éveil et ensemble construisons un monde meilleur par des actions. On n'est pas juste là pour t'aider à développer tes dons, prendre conscience, parce que tout le monde a des dons, hein, y a pas de délu. On a tous la capacité de communiquer avec nos guides, de prédire l'avenir vu que tout est écrit. Mais on n'est pas juste là pour vous aider à développer vos dons, à partir à la rencontre de vous-même, même si c'est une étape importante. Mais on est là pour vous aider à incarner le changement qu'on le veut voir dans ce monde. Découvrir la raison de votre incarnation et réaliser votre mission divine. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses, tout simplement. Donc oui, bienvenue à vous. Le départ vers la cinquième dimension a commencé. Ensemble, nous allons construire une nouvelle humanité. On vous invite tous dans la troisième dimension de l'Académie. Venez partager avec nous vos protocoles de soins. Vos connaissances, votre sagesse, votre amour, votre lumière, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est dans la bienveillance et personne ne vous jugera. C'est vrai que parler de synchronicité avec son facteur, moi mon facteur il m'a regardé bizarre la dernière fois que j'ai essayé. T'es quoi ? Et tu t'es trop quoi ? Guide quoi ? Hermès, tu prends quoi ? Donc non, ne vous inquiétez pas. Si tu es un précurseur de l'éveil, c'est-à-dire si tu t'es éveillé avant les autres, et c'est ce qui se passe en ce moment, on est moins nombreux à s'éveiller que la population qui n'est pas encore éveillée. Donc si tu es un précurseur de l'éveil, suis le chemin de l'éveil. Je dis pas que suivre le chemin de l'éveil, c'est quelque chose de facile. Mais tu verras qu'au contraire, même si tu affrontes tes peurs, tu vas pouvoir évoluer. Toutes les épreuves que tu vas traverser vont t'aider à t'améliorer. Et tu vas vite te rendre compte qu'en fait, l'univers a toujours une solution. Ces limites que tu ne pensais ne pas pouvoir franchir, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était une illusion. Ton mental va créer des illusions et tu pensais que tu ne pouvais pas à cause de l'argent, à cause du gouvernement, à cause de peu importe ce qui te bloque, ce qui t'empêche aujourd'hui de réaliser ta mission d'âme. Dis-toi que l'univers a toujours une solution et les belles âmes de l'Académie de l'Éveil seront heureuses de te répondre, de t'accompagner, de t'aider à prendre conscience par toi-même parce que c'est ça la spiritualité. On n'est pas là pour vous dire quoi croire, quoi penser. La spiritualité, c'est t'aider à prendre conscience des choses par toi-même. Prendre conscience, ben, que le monde, il est plus grand et beaucoup plus magique que tout ce qu'on peut nous dire. Donc, libère-toi de tes limites. Top départ, ensemble, avançons vers la cinquième dimension. Rejoins notre groupe, c'est gratuit. Et
Et reprenons de droit ce qui nous appartient. Gaïa, Gaïa est là. La vie est belle. La vie est merveilleuse. Donc, la vie est simple. C'est nous qui la compliquons. La troisième dimension de l'Académie de l'Éveil est là pour t'aider à la simplifier. Donc, je t'invite dans notre groupe. Rejoins-nous. On dirait qu'il y a des loups dans la forêt. C'est merveilleux. Donc, on t'invite dans la cinquième dimension. Aouh! Vous voyez, même eux, ils sont heureux. Ils nous voient évoluer. Les humains évoluent. On veut tous du changement. Le changement, on l'attendait des autres. Il ne vient pas à nous de l'incarner. Et vous allez voir qu'à l'Académie de l'Éveil, on va commencer à organiser des opérations, des missions un peu pirates de sauvetage de Gaïa que vous pourrez suivre en direct sur YouTube. Vous verrez, on vous réserve plein de surprises. Mais en tout cas, aujourd'hui, 10-10-2020, le portail énergétique s'est ouvert. 2021, on arrive dans cette année 5, cette année de grands changements, cette année de grande évolution. Et même si nos actions peuvent paraître être une goutte dans l'océan, bah une goutte n'est jamais censée créer d'inondation. Regardez cette rivière, c'est que des gouttes qui se sont assemblées. Donc oui, notre action c'est être une goutte d'eau dans l'océan, mais oui, inondons ce monde d'amour. Les océans, une goutte d'eau, les gouttes d'eau forment des rivières. Et les rivières finissent par former des océans. Donc ensemble, dans l'amour, inondons ce monde d'amour, inondons ce monde de lumière. Et même si nos actions sont petites, nos actions seront concrètes. Et vous verrez qu'ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus de choses que ce que vous pouviez imaginer. Donc, rejoignez-nous. On vous invite. J'ai hâte de vous retrouver dans le groupe. D'ailleurs, merci, gratitude à Maria, à tout le monde et à toutes ces belles âmes qui ont décidé d'incarner le changement qui veulent voir dans ce monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et merci. Merci à vous pour cette magnifique aventure humaine. Je suis heureux d'être incarné dans cette planète en ces temps et de pouvoir agir pour faire évoluer la planète. Je vous aime. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées. Je vous prépare vos tirages pour le mois d'octobre et les mois de novembre. Si vous avez des questions, on est tous à votre disposition. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.